Alors, Jean-Marc, on a fait l'explication. Oui. On a fait la pré-cuisson, oui. Le refroidissement. Oui. Et maintenant, la pâte. On va le mettre dans une pâte de pain. En croûte. Alors, pâte à pain, on rappelle rapidement, c'est de la farine, farine. C'est de l'eau. C'est de la levure. C'est de la levure. 25 grammes en général, entre 20 et 25 grammes par kilo. Au kilo. Alors, on peut très bien la demander aussi à... À son boulanger. Quand on le connaît. Voilà. Hein. Et on peut aussi intégrer directement, par exemple, du thym, du romarin dans la pâte. On peut faire aussi. Pour donner un petit peu de, voilà. De goût particulier. Donc ça, c'est une pâte que tu as fait déjà. Tu l'as ramenée. On va... Je vais me permettre d'aller chercher maintenant notre épaule d'agneau, là, qui a bien refroidi. D'accord. Voilà. Je te laisse sauter la ficelle et puis je vais un peu l'étaler. Ça te va? Exactement. Allez. Alors... Moi, je retire donc la ficelle, si tu veux bien. Vas-y. Voilà. Tranquillement. Alors, donc, on va faire... débarrasser toute la ficelle. Alors, ce type de ficelle, je peux la retirer en une seule fois? En une seule fois. Alors, où je dois? Là où tu as fait, là où tu as là fait où le nœud? Là où j'ai fait le nœud, oui. Alors, où as-tu fait le nœud? Je ne me rappelle plus. Non, il y a une petite languette. Ah oui, elle est là. Non, je ne crois pas. Alors, attends, voir. Toi, Pierre-Paul, pas trop. Ouais. Parce que sinon, de l'autre côté, ça va être un peu fin. Donc, tu m'as dit, donc, et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va avoir une première cuisson. Important qui va serrer le pain et qui va nous donner, tout on va dire, fait. La croûte. Et ensuite, tu vas baisser le four à 90 et on voilà. va le laisser cuire pendant 5 heures. Pendant 5 heures. Voilà. Alors, est-ce que 5 heures, c'est parce que tu as fait les essais, j'en suis persuadé. Oui, oui. Donc, tu sais aujourd'hui le résultat que tu vas obtenir. Alors, 5 heures à 90. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment en basse température. Et on veut donc obtenir ce qu'on appelle quelque part la... l'hydrolyse là, du collagène un petit peu au niveau de cette épaule d'agneau pour avoir une viande qui devient bien moelleuse. Tu vois, voilà. J'en profite pour préparer mettre... quelques petites herbes. D'accord, des petites tomates à l'intérieur là. Ouais, magnifique ça. Histoire, tu vois, de, tu vois que les saveurs un petit peu... Alors, tu n'as mis de l'ail nulle part? Non. Parce que ça, voilà, non. Tout le monde a toujours tendance à mettre de l'ail partout. Oui. Moi, je trouve que quand on met de l'ail, ça ne sent plus que l'ail. Tout à fait. Voilà. Parce que nos anciens... Comme ils mangeaient plutôt du mouton que de l'agneau, ouais. D'accord, ben, ils mettaient de l'ail pour casser justement cette odeur. Ah ouais. Hein? D'accord. Ok. À cause de ça, parce que ça sentait fort, voilà, fort tout le à mouton. Fait. Voilà. Okay. On s'arrête là. Pierre Alors, Paul. Je te donne la viande, c'est ça? Vas-y. Je te pose. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. Retourne-le alors. D'accord. Comme ça, dans ce sens-là. Okay. Donc, ça va permettre de le refermer. De le refermer. Voilà. Et puis, on va faire un pliage tout simple. Et moi, tu m'as donc demandé une plaque tout à fait. À pâtisserie que je vais positionner là. On a mis un sile-pâte, mais ils peuvent mettre un papier cuisson dessus tout sans à fait. Aucun problème. Hein. Donc, il n'y a pas plus à faire. Très, très artisanal alors. Hein. Voilà. On tourne. On le prend. On prend. On, on le pose là-dessus. On allume le four et c'est pas parti. Pas besoin de l'inciser, rien du tout. Rien du tout. Comme voilà. 200 degrés pendant une heure. Eh bien, écoute, on va faire ça ensemble. On va le mettre en route. 200 degrés pendant une heure. À sec, on est d'accord? À sec. 200 degrés pendant une heure. Et ensuite, on baissera la température à 90 degrés pendant 5 heures. Voilà. Donc, attends, je suis en train de mettre ça en route. Ouvre à fermer quand même pour qu'il y ait un petit oui. peu d'humidité à l'intérieur. Alors, s'il y a trop d'humidité, hein, la pâte va gonfler davantage. D'accord. OK? Allez, on la met au four. C'est parti. Les amis, on se retrouve dans 6 heures pour vous faire voir le résultat. À bientôt. À bientôt.